Tac. Allez, ça c'est fait. Hop, voilà. J'aurais dû l'installer sur PS5, ce jeu. Ça se trouve, il aurait été encore mieux sur PS5. Quand je vois The Long Dark et Subnautica, comment ils sont rapides à charger. Putain, mais ça se trouve, sur PS5, ça aurait été encore mieux. Allez, continuez la partie. Marqué déjà rapide à charger quand même le jeu de base. Il est quand même déjà rapide. Alors, cette terre était là. Je sais même plus pourquoi. Réamorcer le disjoncteur. Distribution, peut-être là. Non, c'est fermé, il n'y a pas de courant. Eh oui, il n'y a pas de courant. Va falloir monter, hein. Je pense qu'il va falloir monter. Réamorcer des disjoncteurs, mais faut monter. J'espère juste qu'il est pas là. Il y a une carte. Oh putain. Ouais, trop tard. Saloperie de caméra. Putain, je l'avais pas vu. D'accord, ça a pas changé la partie. Bon, c'est pas grave. Ok. Putain, la caméra en mode coup de pute là. Salope. Ah, ils ont été salauds là avec la caméra là. Franchement, c'était salaud.
Voilà, ça dégage. Voilà. J'en serai plus tranquille pour fouiller maintenant. Putain, par où il peut arriver là? Oh putain. Porte fermée. Ben ouais, mais. On aurait pu quand même enlever le verrou, quand même. Mais apparemment, non. C'est pas possible. Ah, ça peut servir de... Ouais. Utiliser le levier. Il y a trop de camelotes. Il a pas l'air d'avoir les yeux rouges. Non. Trouver les disjoncteurs, ben ouais, mais. Elle est chiante cette mission, elle est chiante. Pourquoi il pointe par là? Oh putain, je l'avais pas vu. J'ai levé la jet et coucou la jet. Oh putain!
Pourquoi il me disait d'aller par là? D'accord. J'imagine qu'il va falloir aller par là. Bah, pourquoi je peux pas y aller? C'est quoi cette merde? Pourquoi je peux pas y aller? J'ai rien compris. Ah, j'ai rien pité. Activer le disjoncteur. Apparemment, c'est juste là. Hein? C'est compliqué là. Peut-être qu'il faut que j'attrape l'échelle qu'il y a là-bas. Je comprends rien. Ah, cette quête-là est très mal expliquée. Ça manque vraiment de clarté dans... Ah bah oui, mais du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de finir là. Alors déjà, on prend la carte. Activer le disjoncteur. Ah, mais c'est ça. Oh, ils auraient pu le mettre en surbrillance. Hein. Parce que là, tu passes tout très facilement à côté. Hein. Là, là, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Activer le disjoncteur de la salle de décontamination. Et attends. Je peux rejoindre facilement si je passe par là. Je peux facilement rejoindre. Donc là, du coup, ouais.
Alors ça, je comprends pas. Hein. Pourquoi je peux pas passer? Mais lève-toi! Putain. Putain, c'est mal fait, hein. Je sais pas si je peux rejoindre depuis là. Non, non, c'est tout obstrué, je crois. Non, putain. Ça, je comprends pas pourquoi je peux pas passer dedans. C'est complètement idiot. C'est un accès de maintenance, donc logiquement, je dois pouvoir m'y glisser, hein. Ah bah là je peux. Putain mais c'est quoi cette arnaque? Tout à l'heure je pouvais pas et maintenant je peux. Ah le système d'interaction c'est pas leur fort. Il est là ce bâtard. Il va m'empêcher de sortir maintenant. Salaud. Putain, cette caméra, dès que je peux, je la bousille. Ah d'accord. D'accord, le truc qui me trouve alors que j'ai pas fait de bruit. Courir fait du bruit. Oui, c'est pour ça que je cours pas, du con. Putain, va te faire foutre quoi. Et re-aéro et redispé. Et coucou Albert. Ah, c'est le détecteur qui l'a entendu. Ah, peut-être. Ah, effectivement. D'accord, effectivement, ça paraît plausible. Enfin, c'est quand même moins plausible le fait qu'il arrive là où il y a la caméra. Genre comme s'il était connecté au système de sécurité. Ça me fait doucement rire quand même l'histoire là.
C'est un alien cyborg connecté à Mother. Ça explique bien des choses. J'avais fouillé? Ah non, j'avais pas fouillé justement. Ah bah c'est le moment. Si Bébert me laisse fouiller, parce que... Ouais. Il a pas très envie que je fouille le petit Bébert là. À partir de... Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais, donc quand il est vraiment à côté... Bah, je m'en doutais un peu, mais je pense... Enfin, honnêtement, je m'attendais... Je pensais pas. Bon, après... Ah, pendant 5 minutes ou c'est 10 minutes, je sais plus. Faut pas que je m'énerve. Ça va pas être facile. Sur Alien, ça va pas être facile. Ah si, je reste caché pendant 10 minutes. Hein. Ça devrait le faire. Hein. Le gros flemmard. 27-43. Le bruit de fond, on dirait l'OST de... C'est quoi le jeu que Grony il avait fait sur Mega Drive là? Dans la base sous-marine avec Janus. Ça c'est l'OST officiel ça, non? C'est 5 minutes, ok. Ouais, je me doute ça pour 1000 points. Hein. Faut pas trop en demander non plus. Hein. J'imagine que c'est ça que tu me disais, héros, pour utiliser le décor à ton avantage, là, cette espèce de bonbonne, là, j'imagine. J'imagine qu'elle est pas là pour faire de la figuration. Tac. Ah non! Il va falloir que je revienne avec une torche améliorée. Ça devait être 43, pas 42. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il a pété un câble là. Non, il arrive. Il arrive? Il arrive plus. Ah non, mais il fait exprès. Il est complètement RNG cet alien. J'ai cru qu'il m'avait vu. Je sais pas, à un moment donné, il rampait par terre, je voyais sa tête, je me suis dit, oh, t'as, il m'a vu. Je vois pas comment, mais... Je vois pas comment il aurait pu me voir, mais bon. Je sais pas ce qu'il a, il fait n'importe quoi. Ouais, c'était 43, pas 42.
À une lettre près, hein. À un chiffre près. Ça suffit amplement pour qu'il te chope, hein. Reste bien en dessous du trou là. Je suis passé par là. Je vais passer par là. Alors. Attendez, je vais mettre en pause parce que là, sinon, je vais jamais arriver à vous lire. Parce que là. Virus. Non, non, pas virus, c'était. Non, non. C'était un beat'em up là, où tu affrontais des robots, je crois. Enfin des androïdes ou je sais pas trop quoi. Et ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je me demande si c'était pas Janus même le nom du jeu. Non, je crois pas que c'était Janus. Je sais qu'on était dans une base sous-marine et en fait t'avais un chrono. Où en fait il fallait je crois qu'en fait c'était des bombes à désactiver, je crois, je sais plus. Un jeu sur Mega Drive. Où t'as la musique du jeu, en fait c'est ça, c'est un bruit de. Je sais plus ce que c'était. Enfin. Xpert. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Dispé. Je crois que c'était ça, ouais, Xpert. Je crois que c'était ça, ouais, Dispé. D'ailleurs, Dispé qui va nous le streamer prochainement. C'est ça ou c'est Elden Ring, toi? Je te laisse le choix, je suis gentil. Dispé, ce pessimiste quand même. Je te trouve bien pessimiste. Hein. Ouais, j'avais vu qu'il y avait le boîtier de contrôle. Mais c'était pas celle-là qui m'a grillé tout à l'heure, c'était. Je crois que c'était une autre. Moi, ce qui me fait marrer, c'est ça, là. C'est la porte, elle est fermée. Bon, je dis pas. Pourquoi pas? Et qu'il n'y ait pas de courant, ok que tu puisses pas la prendre. Par contre, que tu puisses pas péter le verrou, j'y crois qu'à moitié. Je vois pas ce qui t'empêche de péter le verrou. C'est pas logique. Oula. Magnifique. Oui. Aïe, aïe, aïe.
Merde! Je me trompe de touche, comme un abruti. Ah, je préfère me cacher parce que je sais pas si justement le fait de taper dans le vide ça peut l'attirer aussi. Vu qu'elle fait du bruit un peu. Dans le doute. Bah juste, j'ai essayé justement, ça a pas marché. Ils ont pas voulu que je le fasse. Bah je vais, attends, je vais retourner voir quand même parce que... Tu me mets un doute mais... Non, ils ont pas voulu que je le fasse. C'est pour ça que je trouvais pas ça normal. Ah mais peut-être qu'à ce moment-là, j'avais pas activé le disjoncteur. Ah, peut-être à ce moment-là... peut-être que ça a un lien. Peut-être que... Ouais, il y avait peut-être pas de courant à ce moment-là avant que je baisse ça en fait. Allez, donc du coup ça change tout là. Ouais, effectivement. Ouais, non, c'est parce que j'ai fait dans le désordre. Ok. Ok. Là, pour le coup, c'est de mon fait. Ok. Je vais descendre, je vais sauvegarder. J'ai pas envie de me retaper ce passage-là. J'aurais jamais autant sauvegardé dans un jeu que... T'as même plus que Resident Evil. Remarque, le 3 en hardcore, si. Je sauvegardais souvent, justement, parce que... On n'avait pas de limite de... Je crois qu'il n'y avait pas de limite de ruban creux. On n'était pas embêté sur ce point. Contrairement au 2. Le 2 par contre, ouais. C'est pour ça que le 2 restera toujours bien au-dessus du 3. Mais tellement au-dessus qu'on le voit même pas. Il faut que je désactive parce que c'est lui qui m'a trahi là. Saleté. Saleté de caméra. C'est lui qui m'a trahi. Ouais mais c'est l'autre qui arrive. Non c'est bon. Il manquerait plus que l'autre se pointe là et puis en mode coucou. Alors, je t'ai manqué. Voilà. Ah, j'avoue que c'est vrai que pour le coup, pour couper la caméra, t'as le boîtier qui est pas loin. Là, j'avoue que c'est agréable. Alors, je sais pas si ça va durer. Ça se trouve, ils vont peut-être être assez salauds pour te mettre un boîtier trop loin. Ouais, là on y a droit là. Ouais, je sais que t'en as endormi de sniffer le casier là. Ah non. Normalement, ça n'a rien à voir avec le disjoncteur. Ah ouais? Ah bah c'était peut-être un bug alors. Non mais en y repensant, je me demande si avant d'activer le disjoncteur, je me demande si la porte était allumée. J'arrive pas à me rappeler.
Je pense qu'il devait pas y avoir de courant. Ah, l'interaction là. Ah, mais trois plombes. Je trouve ça un peu dégueulasse quand même de t'obliger à maintenir le bouton pour te cacher alors t'auras juste à appuyer en temps normal. Parce que le temps que tu maintiennes le bouton, que ce soit pris en compte, t'as l'autre, il a largement le temps de te choper. Hein. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Pour le coup. Ouais. Bah, c'est juste. Bah, après, tu sais. Si c'est le disjoncteur qui permet d'après de. Pourquoi pas. Si c'est un bug, honnêtement. C'est pas très grave non plus. Hein. Dans les deux cas. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Le principal, c'est que j'ai pu passer. Faut pas se prendre la tête. Hein. Oula. Attends. Ah non. Ah, le petit bruit, je pensais que c'était l'alien qui m'attendait et qui était en train de baver. Mais non. Bah, comme j'entendais plus rien, même si ça se trouve, il se cachait pour me tendre une embuscade. Même pas. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air de trop mal se passer. On se fait avoir de temps en temps, mais du moment qu'on avance. Apparemment, il y avait des gens. Enfin, il y avait. Maintenant, il n'y a plus. J'ai même pensé qu'elle m'aurait tiré dessus. Voilà. Plutôt que ce soit une civile. Avec un peu de chance, l'alien va remettre en route le disjoncteur. Qu'est-ce qui serait serviable? On peut rien lui demander, hein. On peut vraiment rien lui demander. Ouh, charge de taser. C'est bon ça. On s'en est pas encore servi. Mais s'il faut, on sera prêt. Et j'ai 8 charges. C'est rigolo ce truc. Attends, il peut venir là? Oh putain oui. Non, y a rien.
Donc c'est pas ça qu'il faut que je trouve. Oh, mais c'est une zone annexe en fait ici, c'est pas du tout une zone en rapport avec la quête principale. Ouais, pas de soucis, Albert. Il n'y a pas de soucis. Je suis pas loin. Je pense que quand tu vas revenir, j'aurai pas beaucoup bougé. Si ça peut te rassurer. Aïe, aïe, aïe. Avec un peu de chance, je serai encore dans ce casier. Apparemment, c'est pas du tout par là. Fais voir la carte. C'était à côté. Porte fermée. Ah! Ah mais non, c'est pas là. C'est ça? Ah oui. Eh, on peut facilement passer à côté. Hein. Initialiser le coup. Oh ouais, il faut que je retourne là-bas en plus. Ouh. Ah ouais, effectivement, ouais. Quand tu disais à Hero que cette mission allait me plaire. Ah ouais, t'es tombé juste, hein. Ah ouais, là c'est. C'est une des missions que je préfère, celle-là. Oh la vache! Un peu plus, il m'attrapait là. Ah, c'est l'amour fou là, cette quête. Hein. C'est vraiment dur. Sans carte. C'est vraiment dur de se repérer. Hein. Je crois que c'est. Ouais, faut juste tourner à droite après. Je vais faire une sauvegarde.
Oh, ça va, c'est pas comme si tout se ressemblait. Ah ouais, non, c'est terrible. Hey, mais à quel moment il est remonté? Je l'ai pas entendu remonter. Il y a des fois, il y a des trucs qui m'échappent là. Et maintenant? Utiliser le monte-charge jusqu'au projet KG348. C'est où ça? Évidemment, c'est de l'autre côté. Youpi! En plus, ah! Je vois à peu près où c'est, mais enfin, à peu près, hein, parce que. Et attends, on peut pas y aller là-bas là? T'es là pour l'entendre arriver là. Ça va être le gros bordel. Oh, le coup de lag. Oh, il y a plusieurs étages. Ça me plaît pas beaucoup qu'il y ait plusieurs étages. Pourquoi il y a des zones en vert? C'est rigolo ça. Contrôle qualité. C'est par là? Non, je pense pas.
Ah, il est parti, hein. C'est fou que je l'entende pas quand il se barre. Ça, c'est pas normal. Je passe pas là. Ben non. Ah, inventaire plein fumigène. Ça doit pouvoir se contrôler ce truc. Ah ben, bah c'est ouais. Enfoiré. Alors du coup ça c'est en bas depuis le rez-de-chaussée. Donc je veux voir ce qu'il y a quand même en haut. Ça doit débloquer un raccourci. Je crois que c'est le raccourci de tout à l'heure. Ouais.
prendre l'ascenseur, mais ça mène. Oh putain, caméra. Ok, je laisse tomber, je me casse. Ah non, la caméra m'aurait repéré, là ça aurait refait venir l'autre, là, ça aurait fait revenir Tartuffe, là, donc non. Tant pis, je loupe des trucs, hein, mais je pense pas honnêtement. Mais de toute façon, je pense que je m'attends. Honnêtement, si je loupe des trucs, c'est pas très grave, parce que là, honnêtement, je peux pas fouiller tranquillement, de toute façon, donc Wait, j'y suis. Il est toujours derrière vous? Je crois que oui. J'ai une idée. Allez au labo. Ah mais c'est ça, en plus il est derrière quoi. Ces bois de conduit là. Ah, il y a un truc de sauvegarde. Ah, ben là. Utiliser synthoniseur. Allez, c'est parti, mon kiki. Ça débloque des ascenseurs. Et là, t'as le xénomorphe là qui est en mode coucou. Est-ce que c'est par là? L'ascenseur mène à Gemini Exoplanet Solutions. D'accord. Donc, quand Taker a besoin d'y aller. J'ai tout à fond, je crois. Agent collant. Apparemment, il est juste au-dessus. C'est pas vrai, mais il m'a mis un traceur. C'est pas possible. Salle de décontamination. C'est pas par là, je pense, donc on va y aller. Je suis sûr qu'il m'a mis un traceur. Et c'est pour ça qu'il arrive à me repérer à chaque fois. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Ça expliquerait bien des choses. Ah, ça ramène là. D'accord. Ok. Je l'avais pas vu ça? Ouais, non, c'est que c'est de la camelote, je peux pas le prendre. Le medikit, je crois que c'est un peu tôt pour l'utiliser. Ouais, je pense que c'est un peu tôt. Ce serait gaspillé. Dans le coin, non? Il y avait un truc. Ah, pour se cacher. Bon, apparemment, on peut pas interagir avec lui.
Ça sent le sapin. Ça sent le sapin pour lui. Je sais pas pourquoi. Pow! Allez, hop, ça c'est fait. Il souffrira plus. Alors. Non, il n'y a rien de. Rien de bien utile. Carte magnétique. Ouh, ça va me servir, ça. Du carburant. Ah, enfin du carburant. Carburant est bienvenu, parce que bon, avec ce qu'on bouffe en lance-flammes. C'est pas un luxe, moi je dis. T'avais pas vu ça? On se marre bien ici. C'est quoi ce truc? Ah, c'est juste un conteneur. Ouais. Je pensais que ça allait être une amélioration, enfin un truc super utile, mais au final non, c'est juste des matériaux. Bon ben là, il n'y a rien. Carte magnétique. Je vais faire un petit peu de soudure. Ça prend plus de temps. Est-ce qu'il y a un accès Putain, il est juste derrière. Il est juste là, hein. Coucou. Et ouais, tu peux pas m'attraper, hein. Putain, mais là, si, par contre. Non, mais un peu long à la détente, lui, hein. Ah d'accord, il faut tous retaper. Encore un truc pas logique. Depuis quand, quand tu découpes avec un chalumeau, depuis quand, quand tu annules au dernier moment alors que t'as commencé à découper. À partir de quand le métal se régénère? Moi, ça me fait doucement rire là. Aïe 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 aïe. Ouais. On sent les winners quand même là. Hein. Moi, je pensais que j'allais pouvoir finir ma découpe en plusieurs parties. Non, faut le faire tout en une fois. Ça, c'est intelligent, ça. Là, c'est complètement con pour le coup, là.
Pourquoi elle fait autant de bruit là? Ah, c'est le lance-flamme. Là, pour le coup, c'est un peu idiot ça, ce qui vient de se passer. C'est vraiment idiot. J'aurais jamais dû quitter le groupe. Sébastopol te plaît? Ah, bah là, y a rien. Bon. Ça aussi, c'est intelligent ça. Bon, c'est bien que ce soit des conteneurs et RNG, mais par contre, quand c'est on va tous mourir, t'es au courant, non? Quand c'est derrière un truc verrouillé, non. Le fait que le conteneur soit vide, non. Ça, c'est pas bon ce qu'ils ont fait là. C'est pas bien. Là, on est pendant Skyrim, là, tu gagnes pas d'XP à déverrouiller le conteneur, donc là, c'est plus une perte de temps et au final pour rien, quoi, donc. Tout à l'heure il y avait du carburant, maintenant plus rien, c'est. Ouais, c'est chiant. C'est un peu chiant quand même. Je suis en train de me demander justement dans le jeu à quel moment on va enfin être dans le noir, parce que j'avoue qu'on fait un jeu d'horreur dans l'univers d'Alien, donc je commence à me poser la question là, je commence à m'inquiéter là. Allez, hop, on utilise le petit éclairage de fortune. Alors par contre, ce qui me fait rire, c'est que ça gaspille pas le carburant quand même. Parce que là, on est clairement en train de gaspiller le carburant là, pour s'éclairer. C'est assez rigolo. Bon là, il n'y a rien apparemment. Je suis bête, c'est vrai qu'on a plein de piles, autant les utiliser quand même. Sinon, elles sont pas rentables. Oh, mais au final, il n'y a rien en fait. C'est quoi? Je vais quand même me soigner. Vu ce qu'on trouve comme ressources, hein, franchement. Voilà. Mmh.
plus. Ransom, cadre de Sixon. Je vous envoie quelques échantillons à analyser. J'aimerais le moins d'employés possible sur cette affaire, et que ça reste discret. Je veux qu'on n'en réfère qu'à moi. La moindre fuite, et vous pouvez compter sur moi pour démolir votre carrière sur Sébastopol. Il y a pas mal d'irrégularités dans les comptes de Gemini. Ne faites pas faux bon, et je me souviendrai de vous. Vos petites manigances passeront pour des prunes. Faites le bon choix. Allez, oh là là. C'est mal fait ça. J'y suis, Wait. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. T'as envie de crever toi, hein. Tu vas pas te laisser glisser comme tout le monde. Elle a envie de crever elle. Aïe aïe aïe. Ouais, comme par hasard. Oh, j'avais pas vu lui. Ah, il faut remettre le jus. Oh, non, 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 non. Toi... Oh, les salopards!
Ils ont foutu le truc pour interagir à côté de... Ah ouais, mais là c'est sûr qu'on va lui tomber dessus là. Putain, ça c'est salaud. Heureux, ouais, ça se passe bien. Enfin, il y a des trucs que je trouve vraiment pas ça logique, hein, mais bon. Ah, le coup de la plaque que tu découpes avec le chalumeau, j'avoue que ça a du mal à passer. Hein. Parce que là, te faire recommencer depuis le début alors que t'avais fait la moitié du chemin. Ça a du mal à passer, ça. Putain, là pour l'entendre, ça va être super là. Comment ça fait mal aux yeux. Fais gaffe quand même au conduit. Oh ce bordel, s'échapper du labo. Ce bordel. Il est là.
Derrière moi. Ok. Donc le plus sûr, le plus rapide, ce serait de, bah, de passer par la droite. Et longer la droite en fait. Ok. J'imagine que s'il faut, faut aller là où il y a le ce putain de synthétique là. Oh l'enculé. Putain, il nous a largué dans l'espace. Oh l'enculé. Allez au sas, le sas c'est quoi? D'accord. Eh mais t'as l'autre enfoiré là, il va se lever. Il est pas con lui, il attend juste à l'entrée ce bâtard là. Précipitation du SAS, 75% Putain, faut pas être pressé quoi. Oh putain. Oui. Et boum. Oh la vache. Putain, elle en a une paire de couilles, celle-là, je te le dis. Hein. Même. Même sa mère, je crois qu'elle a jamais eu à affronter l'espace comme ça, quoi. Putain, alors là, sans rien, quoi. Hein. Sans gadget, sans fusée, sans roquette, sans moyen de propulsion. Sans grappin, sans rien du tout. Hein. Eh, hey, badass là! Franchement, je dirais pas non à un autre alien où on la réincarne. Hein. Ah, y a aucune raison qu'on n'y aurait pas droit. Hein. Et justement, en plus, il pourrait faire un genre de. Marc, ça serait peut-être un peu trop répétitif, mais. Ou alors pourquoi pas mettre une nouvelle race d'aliens inédite dans le scénario.
Et puis expliquer pourquoi elle est subitement, enfin pourquoi elle a ch... comment ça se fait qu'elle était malade quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, il y aurait de quoi creuser là. Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde! Ça a marché! Je l'ai eu, cette saleté! Je l'ai largué dans la géante gazeuse! La station est en sécurité. Et il y a ça. Et il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Le retour du prédalien. Mais non, mais par exemple, il y a un truc là que je me verrais bien dans cet univers-là, où on réincarne Amanda et on croiserait David et on lui donnerait enfin ce qu'il mériterait, ce bâtard-là. Parce que c'est quand même de sa faute, hein, si cette créature existe, hein. Avec toutes les formes de vie qu'ils ont pu nous modeler dans Prometheus et Alien Covenant, hein, il y aurait de quoi faire, hein. Ah, j'aimerais bien revoir David, mais juste pour le voir crever, quoi. Juste pour ça, juste pour lui crever la gueule. Je pense que ça pourrait être sympa à voir, ça. Amanda qui massacre David. Ah oh non mais David, mais franchement, déjà quand tu vois dans Prometheus comment il finit, tu dis dans Covenant comment après comment ça s'enchaîne, tu dis non mais c'est pas possible, mais comment l'autre elle a pu être aussi conne, mais sérieux. C'était juste une tête, David, quoi. Putain, il fallait le laisser en tant que tête, quoi. Il était bien. Et re, monsieur Funfan. T'as à la rigueur, franchement, Hiro. Si honnêtement il me refait un jeu comme ça, où Amanda massacre David, mais putain, là je te le prends. Hein. Je te le prends, le jeu. Tant pis si je suis toujours autant une tanche sur les jeux d'infiltration, mais putain, non, je te l'achète celui-là. Ça, c'est clair, hein. Funfan qui se prépare Elden Ring en coop avec 10p. Autant dire que ça va envoyer du pâté, moi je vous le dis. Bon, du coup, Aero, prochain Elden Ring, enfin prochaine session, ça y est, là c'est la rencontre tant attendue, entre autres. Enfin, la deuxième rencontre tant attendue. C'est pas la première, mais. Tryhard de boss, ah oui. Attends, on va peut-être pouvoir allumer, ça évitera d'utiliser à gaspiller la lumière. Ah ben non, d'accord, on peut pas toucher. Encore une fois, je pourrais t'accuser de tentative de...
XP, enfin. Enfin. Oh putain, c'est Noël. Bon, j'imagine contre l'alien, c'est complètement inutile, hein, mais bon. Un joli trou. Attends, on peut voir ce qu'il y a dedans. C'est là, je me dis, putain, un alien qui aurait été créé par les... Alors, je sais pas si c'est toujours Midway. Je crois pas, hein. Maintenant je crois que c'est à notre studio, hein. Par les créateurs de Mortal Kombat. Oh, putain, le truc. Mais juste pour la partie graphique, hein, pas pour le scénario. Ah ouais, un truc aussi bien modelé. Le gore, tout ça là, par les créateurs de... Les développeurs de Mortal Kombat. Oh. Ah, la tuerie que ce serait. Mais juste pour les graphismes, hein, pas pour le jeu en lui-même, hein, mais... Bon, parce que bon... Vu ce qu'ils nous pondent comme scénario maintenant dans les Mortal Kombat... C'est digne d'un épisode de... c'est quoi déjà le nom du divertissement là? Un secret de notre voisinage, là, je sais pas trop quoi là. Enfin, digne d'un épisode de Plus belle la vie quoi. C'est dire à quel point. Voilà quoi. Ah mais c'est vrai que t'avais arrêté, c'était sur un... Enfin, c'est vrai que tout à l'heure je t'ai vu sur le clerc bestial. Moi je te parlais pas de lui, je te parlais de... Ah putain, c'est vrai que t'es sur lui. Ah c'est vrai, j'ai cru que t'étais sur Malikette. C'est pour ça. Putain mais laisse tomber, j'avais complètement oublié le clerc bestial là. N'importe quoi là. Ah, j'ai complètement buggé là. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais rien compris. J'avais absolument rien compris. Bon, ça change pas d'habitude, hein, tu me diras. C'est méchant, Tispé. Enfin. Oh, lui, il a les yeux rouges, lui. Lui, c'est un méchant. Oh putain, ils sont plusieurs. T'es un méchant, toi? Oh putain, oui. Je veux vous aider en vous brisant la nuque. Ah d'accord. Ah d'accord, ça les tue même pas. Oh c'est de la merde le taser. Oh je pensais que ça allait one shot. Oh la merde. Oh non c'est nul. Oh non c'est de la grosse merde.
Ah non, le taser c'est pourri. Putain, mais c'est bien la peine de te mettre autant de peu de charge. Bon, au final, c'est même pas foutu de one shot quoi. Oh l'arnaque. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai pas vu. Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde. Ça a marché. Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Et il y a ça. Et il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Aïe, 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 aïe. Ah, le taser, je m'attendais à mieux. Oh là. Je m'attendais à bien mieux. Pour le peu de recherche qu'on trouve, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon, on n'a pas la ligne qui nous casse les pieds, bah du coup, ouais, maintenant c'est les robots maintenant. Ah, ils sont malins. J'ai pas spécialement envie de... Remarque, je peux utiliser le revolver maintenant. Là au moins, je serais pas sûr. Là au moins, je suis sûr qu'il y a pas Weber qui va se ramener là. Attends, mais j'en viens de là. J'arrive à me perdre quand même, ça c'est fort ça. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Oméga. Merci. Et en plus, t'as même pas de sauvegarde, alors du coup, si je remeurs, il va falloir que je me retape encore le dialogue et tout. Putain, ça va être pénible. Ils sont malins là, c'est pour t'obliger à utiliser le pompe sur les synthétiques ça. Ouais, je pourrais utiliser cocktail Molotov sur eux à la rigueur. On est déjà venu là. Parce que ça me dit vaguement quelque chose là. Pourquoi ils viennent pas là?
C'est quoi ce bordel? Fais ce que je veux d'abord. Zone protégée compromise. Oh. Oh non non, je suis pas d'accord là. J'ai visé en pleine tête hein. Oh le jeu quoi, putain. Quelle arnaque. Je sais même plus lequel c'est déjà. Oh non mais non là c'est de l'arnaque. Là c'est de l'arnaque. Oh putain, en plus si je meurs, il faut que je me retape tout quoi. Oh mais c'est bon, j'en ai marre là. Ouais vas-y, tue-moi, je m'en fous. Là j'ai gaspillé trop de trucs là, moi, non, pour moi c'est pas acceptable. Là le jeu est mal fait. Hein. Là... Le jeu est mal fait. Hein. Là même, l'autre il s'est mangé... Il s'est mangé plus d'un chargeur de revolver entier dans la tête, il est même pas mort. Donc, va te faire foutre. C'est... Là, non, c'est pas logique. C'est pas logique du tout, non. Là, c'est... Là, ça devient merdique. Hein. Déjà tout à l'heure, l'alien, il arrêtait pas de... Il se barrait même pas, alors j'arrêtais pas de le cramer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, la game est moisie. Hein. Ouais, wait. Putain, ça me fait chier de me retaper ça là. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Putain. Putain, ça leur aurait fait mal au cul de mettre un point de sauvegarde là. Non. C'est vraiment des branleurs les développeurs. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Ça a marché, Ripley, merde! Ça a marché! Je l'ai eu, cette saleté! Je l'ai largué dans la géante gazeuse! Moi, je préférais quand c'était le mode infiltration, hein, parce que là, c'est vraiment merdique. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé! Alors, déjà, le mode infiltration, déjà, il y a des trucs à retravailler. Mais alors, le système de combat, c'est encore pire. Je pensais pas qu'il y avait pire que le système d'infiltration dans ce jeu. Bah si, le combat. C'est encore plus moisi. C'est de la merde. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau... C'est très mal fait. T'as des armes, mais elles servent à rien. Putain, si les films ils étaient comme ça, bah putain, il y aurait eu un paquet de morts. Hein. Même Ripley, elle aurait été morte. Aïe 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 aïe. Ça, les mecs, ils ont pas vu les films quoi. Ils ont pas vu les films quand ils ont fait le jeu. Ils ont pas vu les films. Ça se voit. C'est tellement de trucs pas logiques. Enfin bref.
Ah, je me rappelle là. Je m'en rappelle. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, mais The Long Dark, ça me gêne moins. Ça me gêne beaucoup moins. Parce que le mec, il se trimballe quand même un sacré, sacré barda sur le dos. Alors qu'elle, je veux pas dire, hein, mais... À part le lance-flamme et le pompe qui pèse, oui, je veux bien. Alors, 2-3 bricoles, non. Enfin, de toute façon, c'est même pas ça le problème, parce que de toute façon, peu importe si je portais des armes ou pas, ça changerait rien à sa vitesse, de toute façon. Elle est lente de base, donc... Dans The Long Dark, c'est explicable que le fait qu'il soit lent, Mackenzie. Bon, par contre, qu'il se fasse une entorse au poignet quand il monte une pente, bon, là... Va te faire foutre, mais enfin bon. Là, il y a beaucoup de trucs dans Alien là que pour moi ça passe pas. C'est déjà le fait de tirer sur l'alien, ça lui fasse rien. Déjà ça me fait doucement rire. Il y avait juste à le faire saigner un petit peu, justement, que ça risquerait de faire gicler son sang sur toi et que ça te fasse des dégâts. Et que ça le fasse fuir, ça le tue pas, que ça le tue pas, je dis pas. Mais que ça aurait pu au moins le faire saigner et que ça te ferait prendre des risques. Par rapport à son sang acide. Et puis que, je sais pas, après comme avec le lance-flamme, il se casse. Et puis suivant avec l'arme à laquelle on a tiré, il se casse pour plus ou moins longtemps, quoi. Ben non. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il me faut un la torche ionique plus élevée, j'imagine. Ah non. Ah non, je peux passer apparemment. Ah ouais. Je sais pas s'il bouge. Dans le doute, je vais rester un petit peu. Voilà. Moi, au moins, si je meurs, je réapparais là. Et ça me va très bien. Et je suis déjà passé de toute façon, donc là, logiquement. Logiquement, il doit pas y avoir grand-chose à fouiller. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est se casser directement, hein. Ça me fait chier parce que j'avais envie de fouiller un peu. J'avais envie de fouiller parce que je sais qu'il y a des portes là fermées par les... Oula. La manette qui déconne, enfin, je sais pas. J'avais envie de fouiller. D'ailleurs, je vais pas dire, mais on en vient de là. Il sort d'où le deuxième lambda? Un peu de gros foutage de gueule là quand même.
Y a pas grand chose à part 2-3 bricoles à ramasser. Je sais pas ce que c'était. J'ai pas eu le temps de lire. C'est pas des cartouches en tout cas, c'est pas des chevrotines. Ah, je crois que c'était une charge de taser. Non, peut-être pas. Moi, je pense que le plus efficace, ce sera quand même de leur tirer une chevrotine dans la tête. Je pense qu'avec ça, ça va les réveiller, je pense. Ça, je pense que ça va les secouer un peu. On a tout fouillé du coup. Il y a des trucs qui sont verrouillés, mais je crois qu'il faudra revenir plus tard, hein, parce que là. Ici Turner. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Putain, mec. J'entends des bruits de partout. Le moindre craquement. Enfin, mal-toi le cul, tu veux. Peut-être qu'il venait de là. Apparemment, là, je suis pas venu là. Mais apparemment, j'y ai pas accès pour l'instant. Ouais, 9h15 déjà. Ouais, je pense que je ferai jusqu'à la nuit après j'arrête. Pour envie de finir trop tard ce soir. Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Pas grâce à Waits. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de mule. S'il avait pris la peine de m'écouter, on n'en serait peut-être pas là. Ce qui est fait est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Laisse tomber. Tu m'as fait sortir au final. On se voit au bureau. J'en connais un qui a passé un sale quart d'heure. Je pense que je vais pas pouvoir prendre. Ouais, ça a l'air bien parti pour. Eh ben tant pis. Je pense qu'on va être tranquille pour un petit moment sans aliens. Mais du coup, ça va être les autres qui vont prendre le relais là. Les lambda et sûrement des humains aussi. Ça va être rigolo. Ah, apparemment, il y a une pièce là. Porte fermée. Ah, ok.
c'est quoi ce bordel? Ah! Des connards! Ça m'aurait étonné. Mais je te jure, le système de posture à... Le fait que ce soit géré automatiquement, ça c'est vraiment à chier. Bon, apparemment c'est pas par là. Ben ouais, mais comment j'y accède? Y a pas d'autre direction? Ils sont cons ou quoi? Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors là, je comprends rien là. Mais y'a rien à faire! Mais c'est quoi cette mission de merde? À moins qu'il y ait un trou là? Non, même pas! Eh, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Y'a rien! Vous vous foutez de ma gueule ou quoi là? Y'a rien! Et ça, c'est fermé ça! Putain! Y'a un truc que j'ai pas vu ou quoi là? Pourtant y'a pas de terminal, y'a rien. Oh, ça sent le foutage de gueule là. Ouais, ça sent clairement le foutage de gueule. Là, c'est complètement con. Il y a absolument rien. Pourquoi déjà fait ça? Pourquoi fait ça déjà? Putain, c'est stupide. Rétablir le courant des stores de sécurité. Alors là, par contre, il fallait avancer jusqu'au rideau de fer pour actualiser la mission. Non. Allez vous faire enculer. Non. Une personne censée n'aurait jamais été jusqu'ici. Allez vous faire mettre. Non, mais là, allez vous faire mettre là. Putain, mais vous êtes des baltringues. Franchement, les développeurs là, vous êtes vraiment des baltringues. Tout ça parce que j'ai pas été contre le rideau de fer. Du coup, ça m'a même pas donné l'autorisation d'activer ce truc. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est clairement de la merde.
contre, je suis pas contre une suite. Par contre, faut que ce soit d'autres développeurs qui le fassent. Parce que là, des baltringues comme eux, là, non. Non, non, non. Qui retournent sur leur jeu de stratégie, là, et qui laissent se faire, sauf qu'ils savent faire des FPS. Hein. Parce que c'est clairement pas le cas, ils savent pas faire. Ou alors qui travaillent en association, mais faut pas qu'ils soient les seuls à le faire. Parce que non, là. Sinon, ce sera aussi raté que celui-là, le gameplay, donc non. Il y a un problème avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivé. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Et je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Fais gaffe à toi. Chevrotine, je suis pas contre. Je suis plein de partout, et j'imagine même pas si j'avais joué avec une difficulté moindre. J'imagine même pas comment je galérerais à essayer de tout récupérer. Y'a rien? D'accord. Je trouve ça un peu con, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pas t'as d'admis, ouais. On va avancer encore un petit peu et puis. On va pas trop jouer ce soir hein, parce que. Vu comment il me met de bonne humeur, on va pas trop forcer non plus. Hein. Attends, mais je comprends pas tout là. Apparemment, fallait. Ah, attends, faut peut-être passer par le conduit alors. Ouais, parce que là, je sais pas par où tu veux passer sinon. Wait, c'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte? Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. Aux enculés? Hmm?
Ça peut s'ouvrir ça? Putain, ça se trouve, j'en ai loupé des boîtes à outils. Mais je savais pas que c'était des conteneurs, moi. Je me dis, y'a pas un voyant vert, c'est que c'en est pas un. Oh putain. Ah, c'est la seule? D'accord. Un autre bug? Comment ça, un autre bug? Allez, je peux... Oh putain, je peux plus sortir. Oh, c'est pas vrai. Oh, les salopards. Putain. Je sors, t'as le lambda en mode coucou. Oh putain. Ah là 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 là. Ça, ils l'ont senti par contre, hein. Par contre, là, ce qui est chiant, c'est les humains. Ça va être pour passer maintenant. Il bouge pas. D'accord.
Bah c'est complètement con. Attends, mais... Oh là là... Le cheminement, mon Dieu! On reconnaît toujours un lambda. Chez Sixon, chacun de nos synthétiques lambda est soumis à des milliers de... Putain, mais c'est pas clair du tout, leur truc, là. Pourquoi? Parce que nous avons entièrement conscience de créer des machines... Oh, le cheminement, il est à chier! Mon Dieu! C'est pour ça, quand on fait un style de jeu, faut pas changer, parce que voilà ce qui se passe, quoi. Putain, voilà ce qui se passe. On fait n'importe quoi, et voilà. Putain. C'est n'importe quoi, là. Alors lui, je vois pas ce qu'il va tirer, là, depuis le mur. Mais bon, si ça l'amuse. Ah, mais d'accord, ça se pirate pas. Mais attends, mais... Là, je peux pas passer, de toute façon. Logiquement, il faudrait que je passe par cette espèce de rideau de fer, là, mais... Oh, mon Dieu. Putain, il est mal fait. Hein. Oh, il est mal fait, le passage, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est mal fait? Cette blague, c'est une grosse blague ce jeu. C'est un chien. Apollo a lâché les androïdes dans la nature. Ils attaquent à vue. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. C'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Et personne. C'est-à-dire? Une seconde. Je vais rester quand même accroupi parce que l'autre là, s'il m'entend là... Ah, ça fait peur hein, pour la suite du jeu. Hein. Franchement, s'il y a des passages mal foutus comme ça, là... Oh. Oi, oi, oi. C'est dès le début qu'il aurait fallu le mettre hein, comme ça. Après, tu dis, voilà, les passages merdiques sont derrière. C'est bon, on peut passer à autre chose. Mais là, non, c'est en milieu de partie, quoi. Oh, putain. Voilà, bon, on a actualisé la carte. Ta 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 ta. Moi, je veux retourner d'abord. Je veux d'abord explorer. Ah, mais attends, du coup. Ah ouais, du coup, on retourne au bureau. Mais oui, donc du coup, là, on n'aura pas de nouvelle exploration à proprement parler là. Oula. Y'en a un, il s'est fait défoncer là. Je sais pas où c'est, mais il a pas l'air d'avoir aimé ça. L'alerte du confinement du danger arrête d'avoir été élevé au niveau Oméga. Veuillez patienter dans l'attente de nouvelles notifications.
Je sais pas d'où ça venait là, le bruit des affrontements. Je sais pas trop d'où ça venait. Ça s'ouvre pas, ça, apparemment. Mais ça venait pas de là, alors. Hein. Oh putain. C'est possible que ça venait de là. Oh putain, oui. Je vois qu'il y a quelqu'un. Bon, bah, du coup, je vais retourner au bureau du marshal. Et puis, on va s'arrêter là. Ouais, j'ai pas trop envie de passer trois plombes sur ce jeu pas fini là, donc non. C'est bon, les jeux pas finis, hein. J'en soupe déjà bien assez. Hein. Y a qu'à voir Arc. Hein. Voilà. L'autre, il doit être juste au-dessus là. Ouais, étonnant tellement c'est con. Des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Wait. Oh d'enfoiré! Salaud de meurtrier! Laissez-les tranquilles! Arrêtez! Oh putain! Bande de salopards! Bon, bah, Wait, hein, je pense que. Wait! Je pense que Wait trouve un chemin alternatif. Oh putain! Va te faire foutre! En plus, je suis sûr que c'est là où j'étais tout à l'heure. Un bande de ramasse merde. Ouais, bien sûr, comme par hasard, il y avait quelqu'un maintenant. Ouais, c'est bon, ouais. À d'autres, hein. Ils aiment bien les scripts dans ce jeu, hein. Putain. Tiens, paf, y'a rien. La seconde d'après. Allez, script, hop, allez, on te met un ennemi. Allez. Je te jure. Je sais pas si c'est ça le chemin alternatif. Hein. Non. Non, faut que je retourne là où il y avait l'autre là, le kéké là. Là. Je pense que c'est par là qu'ils veulent que j'aille. Je pense qu'ils veulent que je traverse la passerelle. Parce que là, si je continue... Quoique, je sais pas, en fait. Ah, mais c'est sûrement le droïde qui a dû tuer...
Soit le lambda qui a dû tuer le tireur. Donc on doit être tranquille logiquement. Je dis bien logiquement hein, parce que je sens que ça va pas être le cas. Ah voilà, chevrotine, ça c'est pour moi ça. Ça c'est du loot intéressant. Ah bah apparemment c'est pas par là. D'accord. Là par là alors. Je vois pas où ça pourrait être sinon. Il y a un point de sauvegarde. Ça se trouve, c'est même pas là. Je sauvegarde et puis on arrête. Il faut que je regarde c'est qu'on en est là, dans quel chapitre là. Putain, près de la fin j'espère. Je sens que non. On est très loin de l'avoir fini à mon avis. Je vais regarder quand même. Apparemment, j'ai même pas fait la 11e mission, apparemment. Ça doit être celle-là, j'imagine. Ouais. Ou pas, j'en sais rien. Je sais pas comment ils calculent leur chapitre, là, mais... D'accord, putain, t'as tout compris, toi, hein? Putain, le jeu, je te garantis que lui, une fois qu'il est fini, il dégage. Hein. Alors là, je suis pas prêt de le refaire. Oh non, trop de problèmes. Trop de problèmes, moi ça me gonfle. Donc, allez, moi je vous laisse là. Merci d'être passé en tout cas. Bonne soirée. Et puis, bah, à la prochaine pour je sais pas quoi. Allez.